J'appelle cela le profil du doute absolu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dominé par la peur de ne pas être assez bon. Ceux qui doutent d'eux-mêmes ont tendance à se sentir peu sûrs de leurs capacités. C'est quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est que quelqu'un qui a cette peur du doute absolu, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Et je peux vous dire que si vous êtes dans le développement du chiffre d'affaires de votre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou que vendeur, et que votre entreprise, vous-même, votre salaire ou vos commissions dépendent de votre capacité à vous connaître, vous êtes mal barré si vous avez le syndrome du doute absolu. Parce que vous ne vous connaissez pas. Et quand on ne se connaît pas, par définition, entre parenthèses, entre guillemets, on ne connaît pas ses forces et talents. Donc on n'aura pas tendance à déléguer, on aura tendance à prendre tout pour soi. Et plus le stress va augmenter, plus vous direz aux autres « laisse, je vais le faire ». Et vous vous enfoncez de plus en plus. Attention, le doute absolu est une catastrophe dans le développement de business.